Salut à tous, donc c'est parti pour la suite. Donc vous avez quitté après avoir pris une des trois clés qu'il faut pour atteindre la salle du... Comment? La clé du boss. Donc là notre but c'est le coffre qui se trouve tout à gauche là. On ne peut prendre que sous l'eau. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avant. De toute façon, vous allez reconnaître la salle, je vous l'avais montré. Bon, là, je suis un petit peu dans la merde parce que j'ai pas trop de vie. Mais ça devrait aller. Si je me débrouille. Si je fais pas trop le con, ça devrait aller. Donc, on va aller à gauche. Pour commencer. Et. Ouf. Esquive. Voilà. Voilà, donc plus qu'une clé, il nous manque plus d'un coffre. Bon, je vais pas vous montrer parce que si je change la carte, ça déconne. En plus, je sais pas pourquoi ça fait ça, ça fait pas ça à tout le monde. Je sais pas si... Trop bon. C'est peut-être Marom qui déconne. Enfin bon, on s'en fout. Et donc, la dernière. Alors pour ça, il faut vider l'eau. Donc vider l'eau, c'est par où déjà? C'est par en haut. Donc quand on vide l'eau, je crois que ça vide complètement. Hein. C'est-à-dire les deux étages, quoi. Merde, comment on passe, putain. Oh bordel. Et là, je suis mal. En deux ans, si je crève, c'est pas grave. Hein. Où je suis là. Hop. Tac. Voilà, comme ça il va arrêter de me faire chier. Alors, ouais, il faut que j'atteigne la salle pour... Merde. Voilà. Il a quand même une portée limitée, hein, le truc. J'ai compris. Il a décidé de me faire chier. Voilà. Voilà, il n'y a pas trop tôt. Alors, on va retourner à la salle pour remettre de l'eau. Et cette fois, on va faire en sorte de l'enlever. Vous allez voir, il y a un... Oh putain! Ça fait mal, bordel. Je me rappelais même pas que ça enlevait un cœur entier. Je vous l'avais où déjà? Je me rappelle même plus. Non, c'est pas là. Ah oui. Hop. La vidéo qui commence bien déjà. On voit le mec qui se sent vachement confiant. Hop. Vous avez vu cette esquive un peu? Donc j'ai arrêté de faire le con parce que là je vais me faire laminer. Voilà. Oh putain, ça va être chaud. Ouais. N'emmerdez pas, vous. Voilà. En fait, j'aurais dû faire le truc... Vous voyez, j'ai fait dans le mauvais ordre, hein, justement. Donc là, j'ai pas fait le truc parfait, en plus. En fait, j'aurais pas dû faire ça maintenant. Parce que je vais devoir remettre l'eau après, du coup. Bon, tant pis. Parce que j'en ai marre de recommencer la vidéo. La dernière vidéo que j'ai faite, j'ai fait une connerie, en fait. Vous voyez la salle où il fallait utiliser la canne de Somaria, là. Et il fallait avoir le grappin niveau 2. C'est pas loin de l'entrée du donjon. Bon, en fait, cette salle, j'aurais dû la faire pendant que j'avais...
tant que j'avais plus d'eau en fait. Parce que là je suis obligé de revider, faire la salle et re-remplir. Bon tant pis, je vais juste perdre quelques minutes. De toute façon ça fait que 2 vidéos pour un donjon, c'est pas si long que ça. Dans Season j'en mettais 3 des fois. Enfin, voilà. Je vais essayer de me trouver une excuse à la con. Alors... merde, je m'en rappelle plus. Allez, voilà. Voilà, au début du donjon. Donc elle est pas loin. Voilà, c'est la salle d'en dessous. Voilà, c'est celle-là. Décidément. Alors... qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah oui, d'accord. Bon, c'est tout simple en fait. Voilà. Ah oui, alors je vous l'avais pas dit, le bouclier niveau 2, j'aurais pu l'avoir juste après le 6ème donjon, mais j'ai oublié de le faire, donc je vais le faire là en sortant en fait. Voilà. J'ai les 3 clés, donc je vais aller... merde, attendez. Où ça déjà? Ouais. Par contre, je vais devoir remettre toute l'eau pour pouvoir atteindre le boss. Mais ça, ça fait chier. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que j'aurais dû le faire plus tôt, en fait. J'aurais dû le faire... au moment où j'avais vidé l'eau, j'aurais dû le faire. Bon, ça va être un petit contre-temps, hein. Je vais prendre... je sais pas, une minute pour remettre l'eau et aller au boss. Bon, de toute façon, le boss, je vais le niquer dans cette vidéo, vous inquiétez pas. C'est certain. Et... il restera encore du temps. Alors oui, voilà. Vous voyez, il y a quand même une... en fait, la portée du truc, c'est à peu près, on va dire, l'écran moins une case, quoi. Ouais, c'est ça, l'écran moins une case. Vous allez voir. Non, ouais, même plus. Hein. Enfin, moins. On s'en fout. Alors... graine. Donc vous voyez, si vous venez là sans les 3 clés, ben vous avez plus qu'à repartir en trouver d'autres. Voilà. Et ta-na-na-na. La clé du boss, donc c'est parti pour le boss maintenant, qui est à l'étage d'en dessous. Mais il faut remettre l'eau. Et ça tombe bien parce que je suis justement à l'endroit où il faut remettre l'eau. Puisque le boss se combat sous l'eau. Et c'est pas pour ça qu'il est fort, parce que c'est... d'après moi, les... ouais, c'est le plus simple. Hein. Ouais, c'est le plus simple du jeu. Il suffit de savoir appuyer sur le bouton du grappin pour le battre. Parce que bon, ils essaient de mettre des boss en rapport avec... en rapport avec le comment... en rapport avec l'objet du donjon, mais du coup là ça devient beaucoup trop simple, ils auraient pu trouver plus original quand même. Comme dans, je sais pas, comme dans X Awakening par exemple, ça c'est fun. Il y a un boss qu'il faut le sortir d'un trou, c'est une chenille en fait, le sortir d'un trou avec le grappin et le frapper quoi. C'est déjà un petit peu plus dur on va dire. Parce que là pour un boss du 7ème donjon, bon c'est un petit peu se foutre de notre gueule. Tellement il est simple quoi. Attendez, j'ai pas à rappeler sur le bouton, non c'est bon. Alors maintenant il faut que je trouve. Ouais, ok. Ah bah c'est trouvé. Alors ouais. En fait faut l'atteindre par le bas si je me trompe pas.
Donc, il va falloir passer par là. Voilà, la salle juste en... Attendez, je trouve la salle en dessous. Donc c'est... droite, bas, ok. Bah, ok. Putain, dégage. Normalement c'est la seule qui est là, qui est juste en dessous du... Merde. Je sais pas si je me gourre pas un peu. Enfin bon, faut trouver la salle qui permet d'aller au boss. C'est juste à faire ça et après je bats le boss en 5 secondes. Mais ça va être le plus dur, ça va être de le trouver justement. C'est ça, voilà. Il suffisait de prendre le téléporteur du mini-boss en fait. D'ailleurs, quand on voit qu'il y a plein de fées, ça veut dire qu'on a pris le truc. Hein. Donc là, ne pas tomber si on veut pas devoir tout recommencer. Donc, vous voyez, hein, je l'ai fait assez rapidement. Bon. Et là, hop. C'est vrai qu'on peut utiliser qu'un objet sous l'eau, donc il n'y avait pas grand choix pour faire le boss. Vous allez voir ce que c'est, une merde. Hein. Faut juste qu'il se prenne ses propres trucs. Rien de plus simple. Il y a juste cette attaque qui est un petit peu dangereuse. C'est ça jusqu'à la fin. Bon, je fais un peu de la merde aussi, mais bon. Non, sincèrement, c'est une grosse merde, mais je fais n'importe quoi. Voilà. Oui, je fais n'importe quoi, je me suis fait laminer, je m'en suis pris plein de coups et... En fait, j'ai niqué quand même, donc ça prouve bien qu'il est nul. Voilà, je vous l'avais dit, hein, je vais le finir. Et voilà, la marée. Tu vois, leur phrase qu'ils mettent après avoir récupéré une essence, ça veut strictement rien dire. C'est n'importe quoi. C'est que des conneries, le truc. Ah là, vous devez vous demander qui sont ces sorcières, ben, vous le verrez en fait en mode mini. Car c'est des boss qu'on retrouve juste avant le boss final. Des boss très chiants d'ailleurs. Pas durs mais chiants. Ouais, beaucoup plus intelligente que Onox. Hein. D'ailleurs, Onox il a rien foutu, il a changé de saison, après il a attendu qu'on vienne le niquer. Mais... Et là voilà. Ça refait comme au début du jeu. Sauf que maintenant ses pouvoirs sont limités quoi. Genre il a pas. Leur gueule quoi. Le mec qui se barre avec un lapin en plâtre, ça fera une déco. Enfin, ça serait fun comme déco. Non. Surtout que ce que j'adore, c'est que tous les persos, tous les animaux font la même taille dans le jeu. C'est-à-dire que Link, il fait la même taille que les lapins, la même taille que les singes. Ah, oh putain, mais ça m'aide trop ça. Oh, elle est quelque part dans le monde. Oh non, son bloc.
Et là, on nous donne, voilà, le symbole de Loris, l'écaille de Zora. Voilà. Alors, avant d'aller vers le donjon, là, le huitième donjon, je vais faire quelques trucs que je n'ai pas pu faire avant. Enfin, que je n'ai pas pu faire et que je n'ai pas fait, surtout. Alors, je pouvais les faire, mais c'est que je les ai pas fait. Donc, maintenant qu'on est sous l'eau, en fait, il y a des secrets, vous allez voir. Déjà, près de l'île des Tokai. C'est-à-dire qu'on peut passer sous l'île grâce à des petits tunnels, vous allez voir. Maintenant qu'il n'y a plus la pollution. Hein. Donc ça, bon, ça c'est pour continuer l'aventure en fait. Il faut passer par là en donnant les cailles à quelqu'un. On va d'abord aller à l'île des Tokai. Donc là voilà. Là voilà l'île des Tokai. Alors maintenant il faut trouver le moyen de passer dessous. Alors je sais plus si c'est dans le passé ou dans le présent en fait. Et vous allez voir pourquoi. C'est par le bouclier niveau 2 en fait. Hein. Je vais pas vous montrer tous les anneaux et tout, mais je vais vous montrer ça en fait. Alors je sais plus dans quelle époque c'est le seul hic. Parce qu'il y a des chemins dans les deux époques, mais je sais plus lequel va au bouclier niveau 2. Donc là c'est un cul-de-sac, on peut pas remonter. Oups. Et ça ce n'est pas un portail pour ce brodeur. Alors. Putain mais. C'est une pile. Alors. Voilà. Alors premièrement un anneau si je me trompe pas. Ah non, un quart de cœur. Ah oui, alors je ferai une vidéo pour faire tous les quarts de cœur, j'y travaille. En fait là je suis en train de refaire le mode Link de mon côté. Sans prendre les quarts de cœur. Et sans parler aux persos spéciaux mode Link. Comme ça, je vous les montrerai après, grâce à des vidéos spéciales. Donc le quart de cœur et... Il faut que je retrouve l'endroit. C'est pas là. Bon, bah, c'est dans le passé. Bon, écoute, je sais pas si on va pas se quitter ici et se retrouver dans le passé ou... Ouais, je verrai. Non, j'ai le temps là, j'ai le temps. J'espère, parce que si je passe les 1200 secondes, là c'est foutu. La vidéo va déconner et tout. Alors, on va passer par là. Hop, je me rappelais que j'avais planté un arbre là il y a longtemps. Voilà. Par contre la vidéo des quarts de cœur, je sais pas si je vais parler ou si je vais mettre une musique ou si je vais me noter. Non rien. Alors. Ouais, je crois qu'on va se quitter là en fait, parce que là je perds le temps. D'ailleurs je sais même pas si c'est sous l'île des Tokai ou pas. Ah si c'est là. Si si. Ouais, ouais, ouais. Eh ben non, c'est pas là. Ah, ah, ah. Est-ce que ce serait pas par là? À moins que ça soit... Ouais. Je crois. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps, là. Oui, c'est là. Vite, vite, vite. Bon écoutez, on va se quitter là parce que j'ai peur de faire 1200 secondes et en Creative Content ça déconne. Voilà, bon, le bouclier niveau 2 est là. Voilà, donc on se quitte là. Allez, salut!